Vas-y, avance, t'as le bâtard là. Vas-y, avance avec ta voiture là. On bat les couilles, gros. On ne voit même pas ta grand-mère là. Comment ça, on voit même pas? Eh, ferme ta gueule là. T'es invisible, t'es invisible, petit chien. C'est mon RP, invisible man, ferme ta gueule. Elle nique toutes tes morts, voilà. Tu vas rien niquer tes morts, gros. Je connais les grands. Je connais les grands. Eh, je connais les grands, serveur. Ferme ta gueule. On bat les couilles, ferme ta gueule, petit chien, ferme-la. Attends, tu sais quoi, je sors de la voiture. Et alors, que je m'en bats les couilles, que tu sois en dehors de la voiture. Je suis en train de niquer ta Ferrari de merde, gros. Avec ta race là. Vas-y, dégage là. J'ai même pas envie de faire une scène RP avec toi là. Vas-y, casse-toi. C'est pas ça, je te dis, fais une sieste, on te voit pas. T'es l'Archumax du cerf, t'es l'Archumax, je t'ai déjà vu jouer RP là, mais mec, ton RP c'est de la merde, t'es l'Archumax. L'Archumax, ouais, ça marche mon pote. Allez, arrête de mort prendre ton GMK, rap, vas-y. Bouffon, ouais. Arrête, comment ça, hey, parle bien des robeux toi. Eh, reviens, je te dis, reviens. Il a dit quoi? Ferme ta gueule le français? Je m'en bats les couilles, sa voiture elle est finie, je vous le dis. Brah! Oh, ce que je t'ai mis, sale bâtard, va! T'es en drôle, on le voit même pas, frère. Oh, regarde, bam, dans les couilles, gros! T'es où? C'est grave, le trolleur, il pète les couilles, frère, voilà. Oh, dépêche-toi, j'ai une marchandise à aller chercher sur la 52ème. Mais t'es qui, toi? Oh, c'est Abdelkader. Ça va ou quoi? Non, on se connaît pas. Écoute-moi bien, fils de schlag, parce que je crois que là, j'ai l'impression que t'as pas compris, gros. Je suis leader d'un gang. Je suis leader des vagos. Bah, tu m'as appelé comment vu qu'il a vidé des petites merdes. Oh, descends, je t'emmène sur mon ordinateur. Tu me suces et je descends. Vas-y. Ça te va? Vas-y, je t'emmène. Ah, mon pote, t'es mort. T'as de l'argent sur toi, t'es mort. T'es au grand, ça? Ouais, j'ai de l'argent et alors tu vas rien faire. Vas-y, parfait. On va arriver à 14 sur toi, on va te baiser. Me baiser? Bah, allez-y, ça m'intéresse. De toute façon, je suis gay. Descends, je te dis. Eh, parle bien des gays, gros. Pourquoi tu parles comme ça, mec? Descends, je suis pas homophobe, descends. Ouais, bah voilà, bah parle bien, respect. Alors, excuse-toi, Jis, sorry. C'est sorry là. Descends. Bon, laisse-moi te doigter, gros. Tranquille. Ta gueule, descends. Ah, c'est tout, moi je t'emmène au cœur, vas-y. Reste dans la voiture. S'il te plaît. J'en ai rien à branler, vas-y. Bah, branle-moi, s'il te plaît, branle-moi. Je suis en chien de ouf. Ta gueule, fils. Pourquoi t'es agressif, gros? Mais à quoi il rime ton RP, sérieux? Pourquoi t'es agressif? T'as vu comment tu RP mal, mec? C'est pas bien ce que tu fais. Monsieur? Oui. Il y a un mec dans ma voiture, il est invisible, il veut pas descendre. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? Ouais, des fois j'ai des problèmes au cerveau. Ouais, parce que là moi je vois personne monsieur, donc moi je vous invite éventuellement c'est de consulter un psy monsieur. Il y en a des très bons en ville me semble-t-il. En vous souhaitant une bonne soirée monsieur, oui, je peux vous conseiller madame Calvetti, très bonne. Madame dans les deux sens du terme. Calvetti. Calvetti. Ça veut dire quoi ça dans les deux sens du terme? Ça veut dire, bah c'est juste une très bonne psy, dans les deux sens du terme d'ailleurs, mais bon, voilà, ça je le garde pour vous. Monsieur le cochon. Oh, s'il te plaît, descends de ma voiture, j'ai pas le temps. Agro-gros, je suis le fantôme, je rends ton esprit. Je vais alter au 4. Tu as peur? Descends. Mec bien, sauve du bain. Descends, je t'ai dit, descends. Tu m'entends? Il t'a vénère. Ouais, je t'entends. Nique-le sa mère. Mais qui? Les gens qui te vénèrent, nique-leur sa mère. Ouais, mais c'est ce que j'allais faire. Descends, que je te nique ta mère. T'es un mec bien. Sauve-moi du bain. Saturnin. Descends. Je vais t'appeler Saturnin. Hé, Saturnin, je suis avec toi. Ouais. Je suis le fantôme. T'es... Non, mais frère, descends. J'ai pas le temps. Je suis le diable. Hé, Nardine Bebek, descends. Nardine Mog, Nardine Bebek. Je suis l'ange gentil. Attends, j'ai déjà... Je dois aller dormir, t'es un trollo ou t'es un modo toi? Non, je suis un gentil petit garçon. Je suis ton ange, fais le bien autour de toi. Évite de faire la racaille. Arrête de jurer Waladine, ok? Descends s'il te plaît, descends. Nardine Moon, Nardine Bebek, c'est haram de dire ça, tu le sais? Mais descends! Le bon Dieu te retrouvera. Mais descends! Je suis ton genou. S'il te plaît, descends. Quel est genou, frère, mon star là? On se connaît même pas, Je suis le genou. T'es transparent. Attends, je vais leur poser une question. Excusez-moi, mec. Cerveau. Non, mais c'est merde. Ta voiture, là, ta tête, là. Oh, le mec. Ouais. Tu vois pas un mec transparent dans ma voiture? Non. Non, non. Mais c'est une blague. Le fantôme, tu peux parler un peu? Mais c'est une blague ou quoi? Si c'est le mec de tout à l'heure, il va descendre. Ah oui, bah si c'est le mec de tout à l'heure, ouais, on le connaît, frère. C'est un trou du cul. C'est un mec transparent, il veut pas parler. Mais c'est un lutin, c'est un lutin. Mais comment je fais pour qu'il parle? Je dois prendre des oignons. Pourquoi il tire, frère? Tu lui fous une claque dans la gueule ou alors tu lui touches les couilles? Merde, bah je te touche les couilles là. Oh, c'est le même enculé. C'est le même. Non. Comment vous êtes débarrassé de lui? Oh, le mec transparent. J'ai posé mon sexe sur ton épaule.
Oh, écoute-moi. Mon zizi dans ton orifice d'oreille, ça te va? Non, enlève-le tout de suite. Ce que j'aime bien avec ton oreille, ça fait office de gloriole. Non mais frère, je suis hétéro. Sois gay avec moi, sois gay. Non, je ne veux pas. Oh non. Bon, écoute-moi, je suis l'admin. Tu sors ton véhicule, tout de suite, là. Oh merde, qui, moi? Oui, on vient de voir ce que tu viens de faire, là. Vas-y, sors. Non mais jure, je vois que... Arrête. En plus, c'est un méga. Je veux pas le savoir. Abattez-le, les gars, abattez-le pour une punition. Mais, abattez-le. Mais je vois connexion tout de suite, tout de suite. Il vient de faire un carkill, bon, là. Hein. Tout de suite. Non, mais je vois connexion interrupted. Il est immortel. On peut rien. Non, c'est pas de sa faute. Ok, c'est un mode, non, les gars. Non, c'est pas un mode. Putain, mais t'es con, je le connais. Il a encore une connexion interrupted. Il a un problème. Ne lui faites rien. Je vois connexion interrupted. Et toi, n'embrouille pas trop, fais pas trop le barbeau, parce que la balle dans la tête, c'est toi qui vas la prendre. Bon, je vous laisse régler ça. La prochaine fois, c'est un ban. Hein. Ouais. Non, mais le lutin, sûr, c'est connexion interrupted. Refaites un test, les gars. Mettez-lui une balle pour voir s'il a pas un mode. Mais je vous dis qu'il a pas un mode, c'est un méga. Ça fait un mois bientôt qu'il est avec moi. Commencez pas à raconter des trucs. C'est ça, ouais. Commence pas à raconter des conneries. Mais je te dis qu'il est en connexion interrupted. Bon, je vais pas le savoir, t'écoutes mes ordres. Ça va être vite réglé. Mais t'es qui, toi? Bon toutou. Bon, abattez-le, les gars. Abattez-le, celui qui parle, qui est en train de discuter mes ordres. Non. Mais ta mère, c'est même pas moi! Lui, boss! Mais c'était pas lui, wesh! Bah, c'est qui parle? C'est un lutin dans les airs, boss! C'est un invisible! Ah putain! Bon, ça c'est fait, au suivant. Bon, celui qui discute encore mes ordres, il se fait abattre. Mais il se fait abattre, mais c'est connexion interrupted ou rien? Oui, bah, tu attends que d'être reconnecté, ensuite tu reprends la scène là où on était. Par contre, t'évites de carquer le connard. Non, mais je vois rien. Oui, c'est qu'est-ce qui se passe? Non, mais par contre, il y a moyen de sauver lui là. C'est pas quoi. Je peux fermer ta gueule, mais sur une scène RP là. Il y a moyen que tu te taises là. Merci. EMS s'il vous plaît qui est demandé. EMS s'il vous plaît. Mets-le dans le coffre et amène-le à l'hôpital s'il te plaît. Et si vous le tasez, vous le voyez pas? Non, je le vois. Mais non, mais c'est un. Le tranquille qui part là, c'est un lutin. Mais le mec. Mais non, il est avec nous, je le connais. Il y a 5 minutes, il allait très bien. Mais pas lui, le mec qui a une grosse voix là. Oui, celui que je tase. Mais moi je le connais. Je sais avec cette demoiselle, je suis avec elle. On le connaît. Mais le gars dit que t'es qu'il est avec toi, là? Oui, je suis avec elle, putain. Mais quand on vous dit qu'on est là pour le serveur, pour vous aider, bande de cons. Ouais, même moi, je le connais, lui, donc arrête de dire de la merde, toi. On était avec lui il y a 5 minutes. Non, mais je te parle pas de lui, moi, je te parle du mec qui parle avec sa grosse voix de merde, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Même le mec avec sa grosse voix, je le connais. Mais oui, c'est un putain de dieu, bande de débiles. Vous êtes vraiment un. Merci de me couvrir, putain. De rien, y'a pas de soucis, c'est l'oxyde, non? Ouais, il est naïf de ouf. Pas, c'est ouais, c'est moi, c'est pas. Moi. Ouais. Non, mais laisse tomber, gros. Non, mais les mecs sont attardés. Elle m'a dit que c'est l'oxyde. Non, en gros. Je dis qu'il mange pas, frère. Écoute, non. Bah oui, non, mais c'est ce que je te dis. C'est les gens sont attardés, en fait. Non, je viens d'expliquer au dieu qu'il avait un problème cerveau, mais. Voilà, c'est tout. Exactement, merci de me couvrir. Merci. Voilà, regarde. Tu vois, regarde. Je peux rien faire. Il est complètement. Tu peux lui tirer autant de balles que tu veux à cette demoiselle, bande de guignols. C'est on parle pas de la demoiselle déjà, on parle au mec. Oui, mais vous lui manquez pas de respect parce que. On manque pas de respect. Non, par contre, demandez-lui radio qui. Bon, vous venez sur Discord, je vais régler ça. Vous venez sur Discord les uns après les autres. Mais 100%, c'est pas un admin, hein. Il a essayé de nous carquiller tout à l'heure, c'est vraiment pas un admin, celui qui parle, hein. On verra, on va voir. Toi, t'es en train de me saouler, par contre, je vais te la mettre. Hein. Mais je crois pas, je crois que c'est un admin. C'est qui, exactement? Je suis l'admin principal. T'es qui? C'est pas un admin, voilà que c'est pas un admin. C'est pas vous moi qui parle. Le son de ma voix, rien que le son. C'est juste un petit fils de pute qui est invisible, voilà que c'est pas un admin. C'est un fils de pute qui est invisible. Arrête de parler comme ça, par contre. Continue à traîner en ville, tu vas voir ce qui va t'arriver, une bassem. Tu sais ce que c'est que tu chien? Non, bien sûr que non, il a essayé de nous carquill tout à l'heure. La prochaine fois, je te la mets dans la tête, celle-là, mec. Arrête de parler comme ça. Pourquoi tu me tires dessus, toi? Je t'ai touché? Non, d'accord. Maintenant, arrête de parler comme ça. Vous venez me parler sur Discord, c'est moi l'oxyde. Je suis l'oxyde de carbone. Je sais pas, gros. Tu m'entends, ma petite jeune? 100% mytho, 100% mytho. La jeune noire, là, je suis juste derrière toi. Est-ce que tu entends le son de ma voix? C'est vraiment... Ah, touche pas, s'il te plaît. C'est vraiment un gros troll. C'est Pascal, en fait. En fait, genre, en gros, il y a un mec qui dit que c'est un admin alors que ça l'est pas. Enfin, bref. Ouais, je suis un admin. J'ai presque 40 ans. Bien sûr, c'est un admin. 5 ans d'expérience en VRP. Merci. C'est vraiment un gros troll. Tu es là, il est là, derrière moi, là. Fais le tour. Eh, me regarde pas comme ça, toi. Oh, le lutin, le lutin. Qu'est-ce que c'est, couille? Merde.
Bon, je suis l'admin de ce serveur. La vie de ma mère. Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît. Mais le lutin. Ne manquez pas de respect, je suis Oxyde. Oui, ouais. Viens t'entretenir avec moi sur Discord. Bah, j'y suis déjà. Ok. D'accord. Donc, mais très bien. Donc voilà, je vais, te dire de mes quatre vérités. Ton RP est nul à chier. Change de personnage ou tu prends un mort RP ce soir. Mais t'es 100% retard, c'est... tu comprends rien. Comment, comme admin. Je suis le dieu. Je suis Oxyde. Mais... Oxyde. Oxyde. Mais... Oh, Oxyde, tu m'as dit, je te mets mes couilles sur ton zizi. Oui, c'est du RP. Mais c'est pas possible. Mais gros, mais t'es 100% retard, toi, gros. Tu comprends rien. Il est là. Bon, celui qui conduit ce véhicule, je mets mes couilles sur ton épaule, ça te va? Tu parles à qui, toi? Je te parle à toi. T'es qui? Je suis le Jnoun. Tu dois faire comme GMK, c'est-à-dire des carquilles à foison avec ton véhicule. Vas-y, roule-leur dessus. Je suis ton côté obscur. Non, vas-y, s'arrête, t'es qui? Bascule dans le côté obscur de la force. Écrase-les tous, pour moi, s'il te plaît. Pour Palpatine. Ouais, mais t'en fais pas, invisible. Tu seras pas ban. Oui, je sais, c'est normal, je suis un dieu. Vas-y, t'es qui comme dieu? T'as un blaze. L'Oxyde. Ouais, mon cul, mon frère. Si, c'est moi. Vas-y, tu peux y aller. Viens, aide-deux maintenant, là. J'ai pas le temps, les retours Windows sont trop longs. La dernière fois que j'en ai fait un, j'ai eu le temps de niquer ta mère. Eh, par contre, parle pas de ma mère, parce que je vais t'enculer ta mère, t'as compris? Viens Discord, fils de pute, c'est bon? Viens Discord. Pardon, excuse-moi, je crois que je suis allé un peu loin. Non, viens Discord, tu crois que je rigole ou quoi, là? Me dis pas que tu vas me one-one. Ramène pas tous tes potes, alors. En one-one. Je suis l'admin principal. Tu entends le son de ma voix. Laisse-moi ce véhicule, il est réquisitionné pour une autre scène RP vu que t'es nul. Tu vois ce petit doigt là, que je suis en train de te mettre, ton petit anu. Ouais, et mon frère, t'habites à Toulon, ok? Tu vas venir vocal? Je vais t'enculer, t'es mort, c'est bon quoi? Comment t'as eu mon adresse? Allez, viens Discord, ta mère. Par contre, t'as pas le droit de me dox. Tu n'as pas le droit de me dox, c'est interdit par la loi. Donc toi, tu me dis t'es l'Oxyde? Oui. Prends pour un con en plus, mon frère. Je viens de Toulon. Ouais. Oui, et puis là, il y a la viande aussi, hein. Je suis décidé. Ouais. Tu arrêtes tes conneries, Mino, ok? Oh, grosse folle, tu m'entends? Viens Discord. Des couilles? Je suis là, j'ai tes couilles, hein. Je suis là dans le véhicule, qu'est-ce qu'il y a? Mes couilles sont là, posées sur le siège. Allez, viens. Touchez-les-moi. Ah bah il s'est fait ban ce con. Enchanté mademoiselle, c'est combien? Quoi? Plus c'était une pute. Je ne parle pas à vous. Veuillez vous écarter, jeune mongole, s'il vous plaît, je parle à cette demoiselle. Déjà t'arrêteras de dire que les gens sont des mongols une fois que tu seras plus invisible et que tu feras ton personnage. Ah ouais, c'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'admin principal de ce serve. Non, je vous demanderai de déguerpir, s'il vous plaît, du parking central. Essayons de contrôler la personne qui est invisible depuis tout à l'heure. Merci de circuler. Effectivement. Voilà, okay. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Surtout la grognasse voilà, qui sert à rien, qui est avec un haut rouge. Le haut rouge, le top rouge. Mais c'est pas gentil, t'es méchant. C'est pas gentil du tout, par contre. Vraiment, là, par contre, c'est vraiment pas gentil envers la. Le respect, il a plus la balancer. Bon, je voulais pas dire ça. La jeune gourgandine, la jeune fille de joie, elle est joyeuse? Mais t'es sérieux, toi? Toi, la con, hein? Elle a du charme, non? Elle a du charme, mais toi, t'es irrespectueux envers son égard, en disant grognasse. Oui, je m'en excuse. Tu as raison. Bon, je tenais à m'excuser, je vous fais tous un bisou. C'est pas vrai, elle est pas là. Mademoiselle, ce que j'ai dit tout à l'heure, mes propos ont été un petit peu, quelque peu déplacés. Je tenais à m'excuser. Non, moi, je t'écoute pas, toi, le méchant. D'accord, c'est bien le comportement d'une pute. Ouais, on va se calmer, toi, elle a dit j'étais une pote. Avec un accent comme ça, une langue qui roule les airs, j'aimerais bien qu'elle roule aussi mes couilles. T'es où là en fait? Oh, écoute-moi très très bien maintenant, écoute-moi très très bien. Avant que je t'encule toi et tes ancêtres, tu vas commencer à se péter la femme, c'est bon pas? Oui, je vais la respecter, excusez-moi. Respecte la femme, parce que là gros, ça part. Attends, non, par contre là gros, on est sur une base de respect. Gros, c'est une femme envers toi, juste devant toi. Ouais. Tu vas pas lui commencer pas à lui manquer de respect. C'est le personnage. C'est le personnage qui est comme ça en fait, c'est pas moi. Mais c'est qui a parlé comme ça en fait? Il est invisible. Par-dessus ça, il commence à manquer de respect à la femme. D'accord. Gros, on est arrivé à un point. C'est quoi ça? Ouais. What? Ah bah. T'as fait quoi? Mais t'es con ou quoi? Mais t'as fait quoi? Je viens de les abattre, voilà. Je viens de l'abattre parce qu'il m'a énervé. Voilà. Mais tant que toi, t'es dans cette fils de pute, dégage là. Bah, c'est normal, en même temps, tu me parles mal. Tu me prends. T'es pas mon père. Mais gros, t'as vu comment tu parles à la meuf? Oh, excusez-moi. Vers l'infini et au-delà! Vous allez bien, mademoiselle? Yep. Tu descends, s'il te plaît. Et c'est bien, t'es invisible. Bon, écoute-moi, je suis un dieu. Tu peux la prochaine fois que tu restes là, non. En plein milieu, il y a un mec qui est invisible. C'est un ban, ok? Ouais, vas-y, Oxyde. Continue à parler. Pas toujours, tu m'intéresses. Ouais, je suis Oxyde. Je sais pas c'est qui, mec, viens où je suis. Où il y a le casque noir, j'ai dû m'enlever. Hop, la reverse. Ah, tu fais peur avec tes mains. Ça va, t'es bien invisible là-bas dans le coin là? Parce que c'est pas parce que t'es invisible qu'on te voit pas, espèce de con, tu vois au sol des pieds, couillon. Tu l'as vu ou pas? Merde! Merde! Et il dit, c'est pas un taf, je le bonne, t'inquiète.
Ah bah voilà, enfin. Ah bah enfin. Et quel meilleur jeu.